Voilà. Flow du métro, c'est le numéro 1 du jeu vidéo sur PC. Et on en voit tout de suite le jeu vidéo. Alors, voilà. On en voit le jeu vidéo. Allez, envoyons le jeu vidéo. Envoyez-le! Allez-y, envoyez-le, le jeu vidéo. Je vais envoyer le jeu vidéo. Voilà, bonjour à tous, c'est Flow du métro. Donc j'espère que vous voyez bien l'écran. Je suis désolé, je suis obligé de faire comme ça. On va enlever le projet. Voilà. J'espère qu'on voit beaucoup mieux. Pas trop haut. Pas trop bas. Voilà. Voilà. C'est parfait. Bon, quelques petits réglages. Voilà. Je suis désolé, j'ai oublié de vous faire le jeu comme ça avec le caméscope. Sinon, ça ne marche pas avec la capture. Donc on va reprendre le jeu là où on en était. Je peux là parce que on va reprendre après. Parce que ça vous l'avez déjà vu. Alors je viens de m'apercevoir que en fait ça avait enregistré juste après. Donc je m'excuse d'avoir. J'ai en fait de couper pour rien. Parce que c'est la suite. Alors j'ai remarqué que dans la voiture, donc il n'y a plus de corps et on y va. Il n'y a plus de corps et c'est assez curieux ça. Donc là, on y va, c'est parti. Donc là, normalement, il y a le collègue qui nous parle. Je vais sauter le passage, parce que je l'ai oublié d'ailleurs. Il doit arriver normalement, il devrait être moi, derrière moi. On va le voir, il doit courir. C'est bien ça. Ah, toi, vous voyez ce qui vient de passer. Ah, regardez. Ah non. Je croyais que c'était lui et non. Il est où mon collègue? On n'est pas eu. Regardez, est-ce qu'on peut aller? I need this vehicle, officer, now. Ah oui, le laisse. Il laisse le véhicule, hein, c'est excellent ça. Allez, je vous rends le véhicule. Faut bien. Ouh là là, zut. Okay. Allons-y, c'est parti. Ah, voilà le collègue, il arrive. Il va monter en voiture. Attention. Le voilà. Il m'a retrouvé. À toutes les unités, on nous signale un braquage en cours 437. Un vol de voiture qui a mal tourné, ils sont conduits par. Mais pourquoi as-tu abandonné la voiture? Minimalement, quelqu'un a eu. Comment ça, petit génie? Où est Adam? Si tu te. Oh là là, ça va trop vite! Mais ça ne colle pas. Colle pas, tu marques le point. Donc, là-bas. Il est vraiment sain quand même. Hein.
driving along and his oil light comes on. Stops the car and gets out. Voiture, he pops the hood and... Capot, et... He's on a rail car. Il est en passage à niveau. J'arrive pas à lire, ça va trop vite, hein, désolé. Est-ce qu'on peut mettre pause quand il... Non, on peut pas. Bon, j'espère pour vous, vous connaissez. Bon, j'espère que vous connaissez l'anglais au moins, parce que ça va trop vite à lire. On a dû traduire ça en français au moins. On va couper par là. Oui, tu en parles ici. Allons-y, c'est parti. Ah, il descend par là aussi. C'est lui qui va conduire la voiture. Ah non, il passe devant. Okay. Ah, c'est bien pensé. Ils ont bien pensé tout. J'ai accès. Au lieu de tirer. Ah, d'accord. En fait, quand on recule, ça fait freiner aussi. Je me suis trompé. Slow down before someone gets hurt. Oh, c'était une voiture de police. Oh, quel beau dérapage, vous avez vu ça un peu? Vous avez vu un peu ce beau dérapage? Regardez, la voiture n'a pas de dégâts. Incroyable. Est-ce qu'ils ont mis l'ampédaire en place? Non, l'ampédaire a disparu. Ils ont supprimé une ampédaire. Il n'y a pas de traduction là, c'est dommage. La conduite, je me dérouille mal. Hein. Je sais pas où il est leur truc là. Le tramway, je sais pas si vous remarquez, mais il a pas d'arrêt, regardez. C'est incroyable. J'ai oublié de lancer le chrono, je viens de me voir. On va dire que ça fait 15 minutes qu'on est ensemble.
15 minutes. Ah ça y en arrive. Ils sont les lieux. Ça y est. Domicile des Black, Trésor Troyer. Allons nous présenter, c'est toi qui parles, Phil. Je suis pas doué pour consoler les gens. J'arrive tout de suite. La PD, Madame Black, pouvons-nous entrer? Nous avons une mauvaise nouvelle, nous aimerons. Je suis Margaret Black, nous pouvons en discuter en entrée, je vous prie. Voilà. Votre mari conduit une Nikon bleue, Madame Black. C'est exact. La voiture a été retrouvée abandonnée et nous craignons qu'il puisse s'agir d'un crime. J'ai su qu'il s'était passé quelque chose quand... Nous pensons que votre mari pouvait être blessé, on a trouvé un tuyau. Oh mon Dieu, pauvre Adrien. Le nom est Instead vous dit. Oui, en effet, nous venons juste de faire installer un nouveau chauffe-eau. Où ça, Madame Black? Juste derrière la fenêtre de la cuisine, juste sur le côté de la maison. J'aimerais que vous restiez calme et que vous vous souveniez de tout. Avec mon frère, on est prêt à d'autres questions à vous poser. Bien sûr, inspecteur, vous pourrez vous aider à retrouver mon mari. Ouais, j'ai pas pu lire tout ce qu'il a écrit. J'attends un coup d'œil. Hein. Jette un coup d'œil dans le coin, il a forcément... Ça va être celle d'Adrien. Donc les lunettes correspondent. Mon cher Adrien, je me sens si seul et je me languis. Je t'embrasse, Nico. Alors, qui ramène ça ici. Père Campbell, Los Angeles, Californie. Adrien est peut-être un client, juste en train de voir la base. Englishman Fair, Nord-Ouest Pacifique, de Los Angeles vers Seattle, le 3 décembre 1956. Un billet pour Seattle et une valise manquaient. Jane connaît un qui était passé de quitter sa maison.
pouvais passer mon premier. Il est là, le collègue. C'est une petite aide, ça. Bon, le personnage est bloqué. Ah, ça y est, j'aurais seul débloqué. Adrien Bloch. Date 4147, adresse 620 Bucker. Oh, le temps de dire. Voilà, et après, c'est le détail. This was only recently installed. Not 2 days. Il a été installé que récemment, moins de 2 jours. Il est peut-être temps de jeter un coup d'œil à l'extérieur. C'est la robinetterie qu'il a installée. Et du chauffe-eau. Et... voilà. Attends. Est-ce qu'on a tout installé Anti-rouille, anti-corrosion, garantie. J'ai pas le temps de lire. Ça va très vite. Allons-y. Docteur Fontaine a l'aide aux vétérans perturbés. Allongez-vous, entendez-vous? Alors comment ça va? Vous êtes un ami de Courtney? Oui, docteur. Il se fait beaucoup de soucis pour vous. J'ai des sortes de visions, des visions aveuglantes, elles sont m'obsèdent. J'ai l'impression d'avoir la tête prise dans un étau. Je vais vous donner un petit quelque chose. Je vais vous emmener en voyage, un voyage en arrière. Je veux que vous vous souveniez des bonnes choses passées, de vos fruits, de vos rires, de vos sourires. Voilà. D'avoir une sauvegarde. Alors ce que je vais faire, je vais couper le jeu et je vais enregistrer avec l'une des captures du jeu. Avec une capture. On se retrouve tout de suite. J'ai déjà coupé la caméra. J'ai pas envie qu'on voie les jeux que j'ai. Alors je viens de m'apercevoir que en fait ça avait enregistré juste après, donc je m'excuse d'avoir, j'ai fait que couper pour rien. Voilà.
parce que c'est la suite. Alors j'ai remarqué que dans la voiture, donc il n'y a plus de corps et on y va. Il n'y a plus de corps et c'est assez curieux ça. Donc là, on y va, c'est parti. Donc là, normalement, il y a le collègue qui nous parle. Je vais sauter le passage parce que je l'ai oublié d'ailleurs. Il doit arriver normalement, il devrait être moi. Derrière moi. On va le voir, il doit courir. C'est bien ça. Ah, toi, vous voyez ce qui vient de passer. Ah, regardez. Ah non. Je croyais que c'était lui, et non. Il est où mon collègue? On n'est pas lui. Regardez, on peut aller. Je vais rouvrir, je vais faire sortir le véhicule. I need this vehicle officer now. Ah oui, il le laisse. Il laisse le véhicule, hein, c'est excellent ça. Allez, je vous rends le véhicule. Faut bien. Ouh là là, zut, raté. Allons-y, c'est parti. Ah, voilà le collègue, il arrive. Il va monter en voiture. Attention. Le voilà. Il m'a retrouvé. À toutes les unités, on nous signale un braquage en cours au 437. Un vol de voiture qui a mal tourné, ils sont conduits par... Mais pourquoi as-tu abandonné la voiture? Minimum, quelqu'un a eu... Comment ça, petit génie? Où est Adam? Si tu te... Oh là là, ça va trop vite! Mais ça ne colle pas. Colle pas, tu marques le point. Donc, là-bas. Hey, il avance hein, quand même. Il est en passage à nuit. J'arrive pas à lire, ça va trop vite, hein, désolé. Est-ce qu'on peut mettre pause quand il... Non, on peut pas. Bon, j'espère pour vous, vous connaissez. Bon, j'espère que vous connaissez l'anglais au moins, parce que ça va trop vite à lire, hein. J'aurais dû traduire ça en français au moins. On va continuer droit. Oui, on va aller là. Voilà.
on va couper par là. Oui, tu repars ici. Allons-y, c'est parti. Ah, il descend par là aussi. Any ideas? Somebody's got to inform the wife, fellas. You're done here. We'll head over there now. Spire. Il est en train de rentrer. C'est peut-être lui qui va conduire la voiture. Ah non, il passe devant. Ok. Ah, c'est bien pensé. Ils ont bien pensé et tout. J'ai accéléré au lieu de tirer. Ah d'accord, en fait quand on recule, ça fait freiner aussi. Je me suis trompé. Slow down before someone gets hurt. Oh, c'était une voiture de police. Quel beau dérapage, vous avez vu ça un peu? Vous avez vu un peu ce beau dérapage? C'est incroyable! Regardez, la voiture n'a pas de dégâts. Incroyable. Ils ont mis l'Enfédère en place. Non, l'Enfédère a disparu. Ils ont supprimé l'Enfédère. Au moins, apparemment. Ça aussi. Ah, là, il n'y a pas de traduction, là. C'est dommage. La conduite, je me dérouille mal. Hein. Je sais pas où il est, leur truc, là. Tramway, il va là. Il tente à passer par là. Le tramway, je sais pas si vous remarquez, mais il a pas d'arrêt, regardez. C'est incroyable. J'ai oublié de lancer le chrono, je viens de me voir. On va dire, ça fait 15 minutes qu'on est ensemble. Voilà, 15e minute. Ah ça, il y en arrive. Ils sont les lieux. Ça y est. Domicile des Black, 13h03. Let's go introduce ourselves. Allons nous présenter, c'est toi qui parles, Phil. Je suis Padway pour consoler les gens. J'arrive tout de suite. La PD, Madame Black, pouvons-nous entrer? Nous avons une mauvaise nouvelle, nous aimerons. Je suis Margaret Black, nous pouvons en discuter avant de rentrer. Je vous prie. Voilà. Votre mari conduit une Lincoln bleue, Madame Black. C'est exact. La voiture a été retrouvée abandonnée et nous craignons qu'il puisse s'agir d'un crime. J'ai su qu'il s'était passé quelque chose quand nous pensons que votre mari pouvait être blessé. On a trouvé un tuyau. Oh mon Dieu, pauvre Adrien.
Le nom est Entertainment. Oui, en effet, nous venons juste de faire installer un nouveau chauffe-eau. Où ça, Madame Black? Juste derrière la fenêtre de la cuisine, juste sur le côté de la maison. J'aimerais que vous restiez calme et que vous vous souveniez de tout. Avec mon frère, on est prêt à d'autres questions à vous poser. Bien sûr, inspecteur, vous pourrez vous aider à retrouver mon mari. Ouais, j'ai pas pu lire tout ce qu'il a écrit. J'attends un coup d'Olivier. Jette un coup d'œil dans le coin, il a forcément... Voilà. Ça va être celle d'Adrien. Donc les lunettes correspondent. Mon cher Adrien, je me sens si seul et je me languis. Je t'embrasse, Nico. Alors, qui ramène ça ici? Père Kamal, Los Angeles, Californie. Adrien est peut-être un client juste central pour avoir la base. Ligne de chemin de fer Nord-Ouest Pacifique de Los Angeles vers Seattle, le 3 décembre 1956. Un billet pour Seattle et une valise manquaient. Jane connaît un qui était passé de quitter sa maison. Il est là, le collègue. Bon, le personnage est bloqué. Ah, ça y est, je vais essayer de l'évoquer. Client, c'est Adrien Block.
Date 4147, adresse 620 Bucker, autant le dire. Voilà, et après, c'est le détail. This was only recently installed, not 2 days ago. Il a été installé que récemment, moins de 2 jours. Il est peut-être temps de jeter un coup d'œil à l'extérieur. Voilà, c'est la robinetterie qu'il a installée. Et une chauffe-eau. Voilà. Attends. Est-ce qu'on a tout installé? Anti-rouille, anti-corrosion, garantie. Je peux te le dire. Ça va très vite. Allons-y. Docteur Fontaine gagne l'aide aux vétérans perturbés. Allongez-vous, entendez-vous? Alors comment ça va? Vous êtes un ami de Courtney? Oui, docteur. Il s'est fait beaucoup de soucis pour vous. J'ai des sortes de visions, des visions aglantes, elles sont obsédées. J'ai l'impression d'avoir la tête prise dans un étau. Je vais vous donner un petit quelque chose. Je vais vous emmener en voyage, un voyage en arrière. Je veux que vous vous souveniez des bonnes choses passées, de vos fruits, de vos faux rires, de vos sourires. Voilà. Et il vient d'avoir une sauvegarde. Alors ce que je vais faire, je vais couper le jeu et je vais enregistrer avec l'une des captures du jeu. Avec une capture. On se retrouve tout de suite. Je vais déjà couper la caméra. J'ai pas envie qu'on voie les jeux que j'ai. Alors rebonjour, nous allons continuer la suite de la partie de... La noire, donc on en était à la partie, donc ça est sauvegardé, donc du coup là on reprend avec la capture, ça changera dans une meilleure qualité que par rapport au caméscope. Ah là là, c'est dommage que la capture ne marche pas. Donc, je suppose qu'on a déjà trouvé les indices. On va le refaire au cas où. Just a minute. Ah, apparemment non. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor
born, Adrian. Does the name Instaheat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Well, let's check the place out. Come on. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Pardon, le micro est éloigné. Donc là, on va rejeter un coup d'œil. Dans les affaires. Donc là, vous aurez une meilleure qualité d'image en plus. This must be Adrian's. Par rapport à tout à l'heure avec le télescope. Stenzel. So the glasses are a match. Voilà, c'est bien les lunettes à lui. Alors, la photo. On retourne. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Voilà. Regardez ici, là, il y a la 10. Used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Voilà. Second. Kavanaugh's. So who brought this home? Maybe Adrian was a patron. R and I should have an address. Alors, allons voir les indices. Il y en a un par là. Ah, ici. Alors, et celui-là. Alors c'est pratique. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. C'est pratique cette touche I. En un clic. Allez, je parle. C'est pratique, c'est touche I en un clic et c'est bon. On sait où sont les indices. On est sûr de rien oublier. Disparaît ici. Là, il n'y a rien apparemment. Là, il ne peut pas. Ça va être dehors apparemment. D'accord. Pareil. Deuxième mètre qui manque. L'autre disque est là. Admirez cette fabuleuse scène. Lie down, make yourself comfortable. So.
You're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I'm going to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey. A journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Clintis? Allons-y, sortir dehors. Ça va faire soir. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's bar. Corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. Quand il veut pas ouvrir la porte. Just leaving the thing half finished. That can't be right. On va jouer les plombiers. Thank you.
So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Eh oui, désolé si je parle pas trop, mais il y a peut-être d'autres indices à l'extérieur. Rien faire avec le robinet, bon, quoi. Fouillons un peu. Non, on peut pas fouiller là-dedans. Oh non. On peut pas faire grand chose en fait, hein. Allons-y en cours. Pas y aller, hein. Là, rien n'arrive là. D'accord. I'm all right now, detectives. Oui, on a des questions à vous poser, madame. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. What was the purpose of Adrian's trip to Seattle, Mrs. Black? He was meeting with some distributors. Adrian said that it was important to make contact interstate if he was going to grow his business. Oh, la menti, je peux plus poser la question là. Oh, finesse. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So Adrian spends a lot of time there.
up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say! I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. The evidence is stacking up, Mrs. Black. It all places you at the rail yard last night. I've already told you I was here all night alone. Your stack of evidence doesn't change a thing. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. So nothing out of the usual then? Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about 7. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. Oh, ben, dis donc. On s'en va. À la voiture. C'est parti. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. You know, we've got a siren, Phelps. Qui est devenu dur à contrôler la voiture. Bon, c'est parce que j'ai plus l'habitude. Any Central Unit of 415, possible mental case. The 7th and Flower, unit to handle code 3, identify. Faut pas y aller en intervention à la militaire.